Breaking news, naebi kibuza ebele ya kozela basango ya Kongo na bandako na bino. Basango ya Kongo ezali masolo oyo proverbe 30-30 ayela bino na bandako na bino. Alors toza na spécial breaking news ya koyebisa bino makambo elekaki samedi, dimanche pe lundi oyo ya octobre. Alors basango tozoyoka na niveau nanu ya Kongo. Kobanda na Kingakati, quatre officiers de la garde présidentielle exécutés sommairement à Kingakati ce dimanche matin. Quatre officiers wana baza ba congolais ba exécutés. Bon, pourquoi? Parce que ba mona kindenge arrivé il y a ba troupes tanzaniennes ou et comme ba garde personnel à Kabila, yangwana Kabila à Zouaki Bango, à Tindiki Bango, nous se trouvons à 70 km, c'est-à-dire il y a Lupang, il y a Garde, il y a Kingakati, il y a Kengela. Alors, l'objet de la Tongo, dans les actes samedi, dimanche, na Tongo, il y a plus de 100 soldats, il y a Garde, il y a Congolais, bah, c'est Vanuye, bah, Kimi, alors, a exécuté, il y a moko, personnellement 4 officiers congolais, et puis, il y a Libosote, à Salakango, parce que officier, bah, officier, bah, mona ki ndenge ba Tanzanie bazo kota et puis ndenge bazo kengele pour le moment Kabila zo banga ba tu bakomo kengele siko eza ba Tanzanien alongola pembe na ye tous les ba Congolais. Alors ba officier ya garde présidentielle ba bandi ko évacuer ba famille na bango ba Congolais ba Rwandais ou pe baza bokipa na Congo ba komo ko kimisa ba famille na bango tozo senga na ba soldats congolais nyonso o bazaka tout autour ya Kabila babima parce que eza kuyinda ezuyinda azui ku exécuter pe aza ko sala nyonso tout akufa ye mokote akende na batubele donc batubele c'est basali ba frère soki ozana ndeko na yo a travers na garde présidentielle yebsaye atula mwisi parce que kuna ezali ya kuyinda na basango ya Lubumbashi lelo la population luchoise s'est réveillée traumatisée parce qu'il y a des policiers armés jusqu'aux dents et munis de lance-roquettes prêts à tirer sur tous ceux qui vont bouger ou tous ceux qui vont se diriger vers la marche organisée par le G7. Donc, Moutouazali en tête, il y a opération en Zali général Ilunga Kampete, il y a un commandant, il y a garde présidentielle na niveau à Lubumbashi, il y a un moutou, azoko supervisé, Moussala en alors. Correspondant à Bissou Azakuna, à Katanga, et c'est que Katanga, parce que Kabila ne connaît pas les Katanga, il a demandé au conseil de Mobutu qui l'entoure, ceux qui sont maintenant au Sénat, ils vont lui dire que Mobutu craignait la Kenya, il appelait la Kenya zone rouge, ce qui Kabila a joué Masolo à Kenya, Atuna, Mokolo, Atuna, Mobutu, Seigneur, surtout Oyo. Ba edakaye na kopese ba conseil bazali bongo na sena na ba kengo ba koyebisa ye eloko nyonso sama pe ba katange balobi ba promettre ke ba kosala koleka oyo ekai na Burkina Faso pe lokola opposition ya Kinshasa ezo traîner bango nde ba kobanda na Kinshasa mpona Burkina Faso donc oyo eza basango ya Kinshasa avant tokota to continue to landana element oyo toyoka qu'est-ce qui se passe au Congo le conflit, à vraiment faire en sorte aussi qu'il y ait une révolution de conflit, parce que ils sont soumis à des intérêts qui font pression sur eux, qui les dépassent un peu. Est-ce que ça veut dire que pour certains pays occidentaux, on va dire les choses clairement, c'est mieux qu'il y ait l'instabilité au Congo, c'est mieux qu'on continue de s'entretuer pour pouvoir se servir et puis le pays, est-ce que c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est tout à fait. En fait, la politique, c'est un Congo faible, mais c'est juste un champ, n'est qu'un champ des mines, en fait, des minéraires, pardon. Un Congo faible, c'est juste un champ des minéraires, où on peut se servir comme on veut. Mais par contre, un État fort empêchera ces trafics de continuer, ce qui fait que le pouvoir politique en Occident, qui a des accointances ou qui a un mariage incestueux avec le pouvoir économique, fait de telle sorte que le Congo soit toujours affaibli afin de l'exploiter à vil prix. Le Congo, c'est comme une dame qui a perdu sa dignité et qui s'est fait violer sur la place publique. C'est ça l'image qu'il faut dire que des pays comme les États-Unis, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, tout ça, c'est à mettre dans le même sac. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, il y a les commanditaires.
Les commanditaires, à la tête des commanditaires, c'est quand même les États-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne. On parle même d'Israël, le pays de la Shoah. D'autres pays se sont donc ajoutés et qui utilisent comme bras armé des petits pays. Donc à la frontière haïtienne du pays, qui seuls ne peuvent pas déstabiliser un grand pays. Burundi, Ouganda, Rwanda. Voilà. Et cela est partie de ce qu'on appelait la politique de la Renaissance africaine mise en place par le président Bill Clinton. Et c'est par qui là, c'est alors qu'il a recruté de dirigeants qui trouvent dynamique, c'est Museveni, Kagame et certains dirigeants burundais pour mettre en place ce camp. Comment expliquer que le Rwanda, un pays qui n'a pas une armée aérienne, s'est retrouvé à 2000 km à l'ouest, disons, à 2000 km de ses frontières, donc dans la province du Bas-Congo, prendre les barrages d'Inga, couper l'électricité pendant plusieurs semaines à Kinshasa. Je fais de mes propres yeux des bébés mourir dans des couveuses parce que on avait coupé l'électricité dans presque tous les Congo pendant plusieurs jours. Et lorsque la population de Kinshasa s'est défendue parce que l'armée rwandaise est arrivée à l'est de Kinshasa, dans les quartiers est, à 2000 km de chez lui, Madame Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américain de Clinton, a dit sur CNN que les Rwandais, sont et tout ce qu'elle a dit, constituer la prunelle de ses yeux et qu'elle allait les défendre à n'importe quel prix. Alors justement sur cette question, il y a dans le film aussi, on évoque la question de la culpabilité de l'Occident qui n'a pas pu empêcher le génocide au Rwanda, et donc cette culpabilité les empêche de voir la vérité et justement d'aller régler le conflit. Il y a aussi la question des matières premières, on le voit, c'est vraiment au cœur de ce problème, 6 millions de morts. Justement, en quelques années, ces gens-là, ils sont tués comment? Qui les tue? Qui sont les responsables, Jean-Paul Bosco? En soi, vous avez plusieurs causes de mortalité. Il y a plus de 20 millions de morts en Rwanda, monsieur. Avec des formes d'agression particulièrement violentes. Des villages qui peuvent être pillés, des écoles attaquées. Ensuite, vous avez des formes de mortalité qui sont indirectes, qui sont liées à la pauvreté qui gagne ces régions-là. Donc des formes de mortalité qui sont liées notamment à la malnutrition, qui sont liées à la propagation d'un certain nombre d'épidémies. On parlera notamment du sida. Voilà. Donc en soi, c'est une mortalité directe et une mortalité indirecte qui à long cours, en fait, donne ce chiffre de 6 millions de personnes. Parce que le conflit déstabilise. 20 millions de personnes, mesdames et messieurs. Voilà. Et à l'Est, ça ressemble au Rwanda. C'est très agricole et c'est très montagneux. Et donc, quand on viole les femmes de ces villages, donc c'est vraiment la destruction à la base de la famille. On les viole donc en détruisant le vagin, avec des objets contondants. On a tout trouvé dans les vagins des femmes. Et donc, ça tue la population. C'est ce qu'on appelle le féminicide. Voilà, féminicide, ça tue la population. Les femmes ne peuvent plus aller au champ. Parce que les femmes se font violer, elles se font attraper. Donc il n'y a plus à manger dans les villages. Elles émigrent et voilà, c'est. Elles ne peuvent plus avoir d'enfants après ce genre d'événements. Il y a plus d'un million de déplacés au Congo, de Congolais déplacés au Congo de ce fait-là. On parle beaucoup du viol des femmes, mais il faut aussi mentionner que de plus en plus, c'est le viol des hommes. Oui, ça nous ramène aussi au point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la balkanisation, parce que c'est une réelle attaque à la population congolaise, c'est-à-dire une réelle attaque à la population congolaise. On attaque les femmes, et on ralentit le processus de repeuplement de la région, et d'autre part, on s'attaque aussi à la dignité des hommes, à la dignité des populations qui sont sur place, et avec en plus, en prime, tout le mouvement des déplacés. Je lis à ce propos un reportage où quelqu'un disait les jours où on a fait de moi une femme. Un homme violé qui racontait cet événement, c'était poignant. Et puis l'argument qui consiste à dire que l'Occident est culpabilisé, ça c'est vraiment de la pure distraction. Si l'Occident était culpabilisé, ils allaient se dire plus jamais ça. Comme ils ont dit avec la Shoah, plus jamais ça. Mais il y a eu la Shoah, ils ont laissé faire au Rwanda. Et au lieu de stopper au niveau du Rwanda, qu'on puisse se limiter à un bilan pour le XXe siècle, principalement de deux pays, bien qu'il y en ait d'autres, Israël et Rwanda, maintenant c'est les Congo. C'est juste pour ne pas voir en face leurs responsabilités.
Merci, 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 merci. Le Congo faible, c'est juste un état de minerais. Mais si le Congo devenait fort, avec un grand gouvernement, une grande armée, ils vont arrêter les pillages et les viols. Et le Congo est devenu comme une femme violée en public. Nous avons plus de 20 millions de morts et nous avons plus de 10 millions de déplacés. Ce n'est pas 1 million de déplacés, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est le bilan que la presse internationale dresse sur ce qui se passe au Congo. Le drame monté par les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, ils ont utilisé le Rwanda et le Rwanda a envoyé leur fils qui est Hippolyte Kanambe, qui a tué Moïse Kabila pour porter le nom de Kabila. Et pourtant, c'est un sujet rwandais, un ex-taximen de Dar es Salaam, il a même vendu le Kamundere. Alors voilà. Voilà pourquoi nous disons la rue et le pouvoir pour le peuple, les suicides ou la CPI pour Kabila et les génocidaires. Nous devons chasser les Rwandais, Kabila, qui plante le décor de l'apocalypse à Kinshasa. Kabila a déjà pour planter décor et apocalypse à Kinshasa. Tous les lois ont continué pour Boma. Dimanche, Natongo a outi pour Boma. Les sous-sous, quatre officiers congolais, et bagarde naïe à congolais, mingi bakimi. Wana eleki na kingakati source na biso ya sur azali kuna ayebisi biso yango moni tosali breaking news na ngonga oyo po ekomela bino boyeba makambo nini ezoleka na Congo. Na ngonga oyo batroupe tanzanienne, rwandaise pe zimbabwene bakiti na capitale, plus question mpona baactiviste na bacombattant na basoi-disant opposition batikela Kabila représentant ya Kagame lisusu temps. Bon, il ça. Bati que le temps parce que Azo mérité sous tenter tala na Lubumbashi samedi pe dimanche balamou qui traumatisé parce que Kabila dirigera naba arme. Ça dit c'est un terroriste, c'est un bandit. Soki bozo kansa ki a kolongwa na élection, bozo mikosa so bozo kansa ki a kolongwa ye moko, bozo komikosa parce que ba anje za minene Azo banga koke na CPI, Azo banga ma biloko tout basali eza ba mbongo mele ba koti ba boni koti kamo. Tourner la page du régime de l'occupation et les soucis de tout Congolais, car cela nous épargnera la pauvreté, l'humiliation, la corruption, la mauvaise gouvernance et bien d'autres mots qui plombent le sort du pays. Tout cela doit appartenir au passé. Nangongo au lieu de ça ba vidéo à kofingana ba vidéo ya ko critiquer ba vidéo ya ko beta botu songolo to banda ko luka ko tourner page sur le régime d'occupation oyo eko épargner biso pauvreté, humiliation parce que to samwe na niveau moko ki congolais a son a respecter ba pays nyo surtout frontalier ba komo sakana biso pe eko longola biso corruption parce que mboka na biso za parmi les 5 premiers pays na monde. Donc le Congo na FIFA et ça nous Congo après FIFA. Donc biso to liki FIFA na corruption. Et puis na mauvaise gouvernance oyo ya rokote sa étranger na mboka oyé moko azali président de la République mais à travers na ba mercenaires na ba étrangers pour ba roboma ba congolais ba citoyen oyé azo censé pour protéger. Alors et bien d'autres mots qui plombent le sort du pays, tout cela doit appartenir au passé. La prophétie de Lumumba qui a écrit à sa femme Pauline quelques heures avant son assassinat, l'avenir du Congo est beau, l'avenir du Congo sera beau, le bonheur et la prospérité auxquels la providence destinant le Congo au vu de ses immenses richesses et la portée de la main. Donc, au Kadunani Lumumba Lobaka, à l'avenir du Congo, Ezamalamu, Ezali prophétie. Oyo providence en Zambé, Nzambe apesa ba richesse nyo surtout à mokili ya kitoko na Congo et sengeli ba guerre oyo nyo surtout Rwanda, Uganda na Burundi ba yeko tiela biso na Congo biso toza na problème na bango te ba yeko zwa taximen rwandais ko infiltrer biso pe bazo sorry ba ndeko na biso akatanga ba sala buzoba ya kondima ke Kabila za mwana na bango lelo oyo ye wana komi ko boma bango. Le oyé wana abimisi minduki ba rokete na ville ya Lubumbashi po na ko boya ba kolomboka ba sala marche. Donc ezali
Les futa oyo bango bazo mérité parce que bayebaki bien que Kabila za mwana muzete de le départ il a fallu ba stopper mais tala lelo ce qui se passe na Congo ezali faute na bango. Alors babotoling kita na biso babotoling mabele na biso ba comme si yango business ya oni pe ya mindele ba bomeli biso plus de 20 millions de Congolais na décembre 2014 Rwanda a akomaki premier exportateur mondial ya coltan avec 88% de 8 807 232 kilogrammes de tintal produit dans le monde de 2010 à 2013. Mbongwana tout et ça est longué de 68 millions à 134 millions, 5 de dollars au Rwanda Zoua à tiens ba poche à Tongeli Bekol, à Tongoli Makamunyo, surtout Rwanda, Bakumiko Benga, au Suisse africaine, l'Ikolo, Yaba Mbongo, Yaba Richesse à Congo. Alors, et pourtant, Rwanda, Namabele, Nabango, Bazata, na Coltan, mon côté. Comment se fait-il que Mboka Oba, na Coltan, te Bakuma, exportateur à Coltan, et Zali Biloko Oyo, Ezo Outa, na Congo, Yango, Bango, Babimeli, Yango, Gang, qui peut Bazo Bongsa, Bekol, Pe, Bankita, na Bango, Basukika, Wanate, basuika wana te sori bazu mabele na biso bazu ba passeport na biso ba pesi bana na bango bazo tanga na ba université lokola ba congolais lobby ba ko remplacer ba congolais na ba institution internationale ba ko ba baza ba banyamulenge d'origine congolaise pourtant bana mulenge ezala na congoti donc ezali kam oyo fo totele melango tuluka ko sisa ngo. Uganda de son côté connaîtra aussi une prospérité économique par les minéraux pillé au Congo, il n'est pas envisageable que les deux pays renoncent à un statut aussi prestigieux dont dépendent largement leurs économies. Il faut que le prochain président du Congo ne soit pas naïf et complaisant comme le génocidaire rwandais Kabila. C'est-à-dire que Balobi, Ouganda a profité d'une économie là-bas. Rwanda a profité. Le pays n'y a surtout a profité. Alors, baza prête batika, statut ou baza nango déjà, au Rwanda komi nango exportateur à coltan, au Rwanda komi nango mbongo ebele, ou bazo gagne 134 millions de dollars na mbongo e outye pa na bangote. Alors, eza complot international, boyoka ki Sarkozy kolobake, Congo il faut partager ba bien na ye na ba pays a pembeni parce qu'aza na bilogo ebele, te yubite soki abolinga France a partager. Ata ba montagne na Italie ou bien Espagne, tu évites soka olinga partager ba Alpes na Espagne, tu évites soka olinga ngo. Alors, ba pays wana ba si ba zui business na bango, ba tie minu na bango, ba za prêt à ko tikate, ba ko continuer parce que zo rapporté bango gros. Alors, tozo c'est la prochain président Congo azala naïf pe complaisant lokola les Rwandais génocidaires Kabila te. Il doit essayer de reprendre le contrôle sur la protection des citoyens. Président Oyazo Yelo Kaliboso, ko protéger ba citoyen, ko protéger intégrité à territoire, ba bien ba citoyen na bango moko, pe ko protéger ba ressources ya Congo pour se construire, ba ressources wana nde eko aider biso, to relancer mboka na biso, to tonga parce que a kosa binzo na 5 chantiers, meti de l'autre chantier moko salamate. Ce qui a tombé Banzela, Ambeli Banzela, ce qui a tombé Pont, ce qui a tombé quelques immeubles, ils allaient sonner les moutons salariés parce que à prometta qui cinq chantiers à salir en hauteur, il y a un azoko sera la preuve à la moutons à Mabé, na place à tomber aéroport et à tomber aérogare. Bon, moi déjà que ça moutons à Mabé, à la pour ça retomber azoko sabino. Alors bateau, bazo koumisa, bilo kande wana, bazali ba accompagnateur. Ba accompagnateur bazali bato bazo travailler na occupation ba koufa ensemble parce que bangono surtout ba collabo comme nos positions na Sénat pe na parlement parce que ceux qui mboko zo occupé biloko wana surtout koufaka ba o bazo kende na opposition ba o bazo kende na gouvernorat ba o bazo kende na Sénat pe na parlement bazali ba occupant ba accompagnateur occupation donc bangono surtout ba kozala jugé ndenge moko na ba Rwandais pe ba occupant donc biloko wana surtout il faut tout si sango. D'ailleurs, les conditions dans lesquelles s'opèrent les pillages sont que n'importe quel dirigeant congolais doué de conscience patriotique ne pourra que s'employer à y mettre un terme, entraînant des pertes sèches
aux économies dont se repoussaient les élites au pouvoir à Kigali et Kampala, le conflit sera inévitable. Il reste que le Congo se trouve dans un rapport de force nettement défavorable. C'est-à-dire que le président Oazoya Sikafaluka a arrêté les Kamouana, mais battu à Kigali na Kampala baolingate. Alors, conflit Goya, et puis Congo azali déjà déséquilibré, azali défavorable. Pourquoi azali défavorable? Kabila a scandaleusement négligé l'armée congolaise en faveur de ses frères rwandais. Kabila, Batindaye, a saboté, a rebomber armée, a retiré Congo faible, n'est-ce pas documenté au lobby, Balingi Congo est à la faible pour et comment État y a copié. Alors Kabila, mission n'a pas gagné. Kabila, tu ne voyages jamais pour Tonga, tu ne voyages jamais pour Bongsa, tu ne voyages jamais pour ça la 5 chantiers, mais il y a pour balkaniser le Congo. Aboma armée congolaise, atia désordre, atia kuluna, atia occupation partout a infiltré ba ennemi na Congo. Kabila alloue un budget de 400 millions de dollars, c'est rien pour un pays grand comme l'Europe occidentale avec un poids démographique de 77 millions d'habitants. Donc Kabila atia n'est qu'à 400 millions de dollars en armée. De Rwanda et l'autre côté, tandis que Rwanda, pays Mouké, est à 4 fois plus que 400 millions d'armées là-bas. Et puis, à un effectif de 140 000 soldats, l'armée rwandaise est fréquemment sur le sol congolais. Donc, l'armée rwandaise bazarana na sol congolais sous forme de rébellion ou de groupes armés. Donc, armée rwandaise et bimaraté et kotaraté, et Zanango et renforcera Basali ou sous forme yaba armée ou sous forme ya rébellion ou sous forme yaba groupe armé. Angola na côté naé atia 6,8 milliards de dollars pour l'armée naé, soit 17 fois plus que le Congo. Armée ya Angola et bimisambongo 17 fois plus ba million 17 fois plus que ya Congo. Pour le lo Angola esa armée moko makasi na sous-région wana. Ba Rwandais ba kende ki ba meka ba bengana bango ba inga ba zo Angola ba kokite ba kumengana bango. Le Rwanda et l'Ouganda ont des infiltrés sur l'armée congolaise. Le Rwanda, l'Ouganda ont des infiltrés sur l'armée congolaise. Sur l'armée congolaise, il y a un fléau des infiltrations massives. Ça dit Kabila sala fléau moko il y a ba infiltration massive na ba couche nyonso na ba niveau nyonso. À la suite des guerres répétitives imposées au Congo depuis 1996, les accords entre Kigali et Kinshasa, Kampala et surtout les mécanismes de brassage et de mixage, le Congo s'est retrouvé avec plusieurs milliers de soldats rwandais et ougandais à tout niveau. Donc, à niveau nyo surtout, tous les soldats rwandais na ougandais, oyo bazwa na solidarité na biso, bazwa ba armes, bazawa na ba yé pour ba servir Congo te, ba yé pour ba tia désordre pour Congo et à la faible pour ba bazwa ba matière première. Mouta sa la ba jiwa na nyon sonani, ezali Ouganda, ezali Museveni, Kagame, ba tindika petit na bango a rwandais, Kabila a aidé bango na biloko wana nyon. Alors, zama kambo oyo, binomo bolandi na documentaire oyo, la presse internationale et Outikoloba. Alors, le Congo se retrouve avec plusieurs milliers de soldats rwandais, ougandais à tout niveau. L'ampleur des dégâts est telle que chaque fois qu'on lève un coin de voile sur l'affaire du pays, tout entier se retrouve dans l'embarras du devant l'opinion internationale. Comme en témoignent les cas Bosco Ntaganda, Koundé Bantouare et Kabila lui-même. C'est-à-dire qu'en plein, il y a une infiltration. Oyo, na chaque fois, ce qui va longo la voile, moko va fongo la nkuka, va fongo la mpoke na likambo moko, et ça sera un scandale pour mokili mbeko bouzo ba nini, trahison nini, ndenge ni bazo nyoko la ba Congolais. D'autant la cas, Koundé Bantouare, Bosco Ntaganda, Koundé Bantouare, aboma na Congo, azali Rwandais, mais er moko akoma général Rwandais, Congolais, aya bomi bako bombaye. Koundé Bantouare aza Rwandais, abotama na Rwanda, kola na Rwanda, mais aza sous général congolais. Kabila mtakoum se général congolais, et asala 3 ans comme chef d'état-major na Congo, abomaka, apiaka,
na ordre ya ba autorité wana. C'est-à-dire ezali complicité moko o esalami soki biso ba congolais to telemité soki biso ba congolais to lobie loko moko te soki biso ba congolais to bundite soki biso ba congolais to gangite eloko moko ekosala mate. Alors ezali mawa mingi koyeba makambo zolika na Congo parce que Kabila a komi kosala ba insomnie depuis samedi le 10 2015, le 10 octobre 2015 l'air a yo qui était G7 bazosala meeting na bango pe ayebi ke ba congolais ba lingi koyokata kombonete ba congolais ba lingi ye abima kende ba congolais ba lingi koyokata likambwana te ba congolais ba lobi il faut Kabila dégager pe a ko dégager siko eloko ni biso ko to ko sala elakisi biso ba congolais totika désordre totika ko fingana to sala makam o la kwanzi la zo ba kolomboka soki mboka na ye eyindi soki mboka ne ba kamati soki mboka ne ekomi nini il faut ko benga na banguna ko banda na ba to nyonso bazo travailler na gouvernorat ba o nyonso bazo travailler na sénat ba o nyonso bazo travailler na nani na parlement ba bomoni batu kwa ba kovo ingila bomoni batu wana balobi baza ba député mais bazali ba accompagnateur ya occupation oyoki ndi alobaki bazo zela biso to kende ko destituer Kabila. Or nga naza na parlement nga na ko kotate pour ba nomanga te ba votanga pete et puis biso to tchaki bango po bazala liso ya peuple mais yoka na interview to sala ki na conférence awa alobi biso bato apoto to kita to kende ko sala révolution na poto. Alors ezali makambo oyo azolo bana azolo bango te ke po azagi na kutya bangi azolo bango po bafute la ke mbongo po a protéger Kabila et non a protéger ba congolais. Alors batande ngwana to ko konté sur bango te po eloko moko a malamu ko sala mate ezo sengela kaka ko population congolaise azo maboko makamu na maboko to sala soulèvement populaire po na ko éradiquer ba complot oyo bozoba oyo humiliation oyo na makamu nyonso to oyo ba rwandais ba sala na complot groupe na bango wana eloko ko épargner biso ko continuer ko subir ba humiliation pe ko sambwa ezali soulèvement populaire parce que soulèvement populaire ekoya ko éradiquer makamu nyonso to oyo bango ba sali pe bango ba loba po na mboka na biso do to komi na ngonga oyo congolais olamuka congolais otelema parce que la mboka na biso kuna bazo boma esengeli kolomboka a se comporter loko la kwanze la lobaka kolomboka. Kolomboka eza oyo abundelaka mboka na ye. Kolomboka eza oyo alalaka pongi te soki ayoki sango ya mabe ezoleka na mboka na ye. Kolomboka eza oyo ayaka na basolution. Kolomboka eza oyo alakisaka mayele ndenge nini yako libere mboka na ye na klebowa ya banguna. Baye na sida, baye na viol, baye na ba guerre ya lokuta, ba armée rwandaise na ugandaise baye nango na mboka na biso po babotola ba richesse na biso na complicité na élite na biso oyo ezali korompu. Mabele oyo bakamata fu bazongisa ngo. Kolomboka esengeli alakisa mayele ya kolomboka kosala nyonso korekipere pawa kobengana Kabila na systeme na ye mobimba. Tala lelo dimanche ya ntongo abomi lisusu 4 officier congolais mpe basoldat congolais mingi baya na zamba bazokima po bazoboma bango lokola bambuku.
comme il est la tienne, mais toi, la décision, toi, tu es dans la Breaking news! Nous t'avons dit que l'homme a wazate. Bye bye for now!